Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce dans l'application mobile CapCut. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vidéo dans laquelle la couleur du vêtement du personnage va changer progressivement. La première chose, c'est d'ouvrir votre application CapCut et de démarrer un nouveau projet. Et là, je vais chercher une vidéo. Je me dis par exemple que je vais prendre cette vidéo-ci. Donc déjà la vidéo fait 53 secondes, je vais la réduire et je me dis qu'on va prendre par exemple, on va couper cette partie-ci, on supprime la partie précédente, je vais garder uniquement 10 à 12 secondes. Donc je vais prendre 12 secondes, je vais également supprimer la partie restante. On va travailler avec cette partie uniquement. La première chose lorsqu'on veut supprimer, on veut changer en fait la couleur d'un vêtement. La première chose qu'on va faire, c'est de supprimer déjà la couleur du vêtement principal. Et pour ça, je vais prendre ici le découpage. Et dans le découpage en question, je vais prendre le chroma key. Et pour le chroma key, je vais sélectionner la couleur que j'ai envie de supprimer. Je vais transformer cette couleur en intensité et je vais augmenter l'intensité. Veillez à ne pas trop augmenter l'intensité, sinon vous allez également dénaturer la couleur aux alentours. Donc, vous allez mettre une intensité assez réduite de façon à ce que ce soit uniquement la couleur que vous voulez supprimer qui disparaisse. Une fois que c'est fait, je vais désélectionner tous les éléments. Donc, je touche n'importe où, sauf sur ma vidéo, et je vais prendre ici la zone de travail. Dans la zone de travail, je vais sélectionner une couleur. Je vais prendre par exemple cette couleur au hasard comme ça ou bien celle-ci. Vous allez remarquer que la couleur que j'avais supprimée précédemment vient d'être modifiée par celle que j'ai sélectionnée. Donc je vais valider et je vais de nouveau repartir dans mon découpage. Cette fois, je vais reprendre le chroma key, mais cette fois, je vais plutôt utiliser l'ombre. Et je vais augmenter l'intensité de l'ombre en question de façon à ce que ça crée les ombrages sur mon vêtement. Donc là, si je lance la vidéo, vous allez voir que mon vêtement il a déjà changé de couleur. Maintenant, ce qui me reste à faire, et je me rends compte que dans mon chroma key, ce que j'avais sélectionné ici, voilà, là, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de découper ma vidéo, par exemple, à partir de cet instant. Donc, je vais découper pour chaque 3 secondes. Je viens là, 6 secondes, je découpe. Je vais venir à 9 secondes et je vais découper de nouveau. Et pour chacune des autres parties, je vais simplement me charger de modifier la couleur. Je vais mettre par exemple cette autre couleur-ci. À ce niveau, je vais mettre une autre couleur. Je vais prendre n'importe quelle couleur. Celle-ci par exemple. Et juste ici à la fin, je vais également mettre une dernière couleur. Donc pour ça, lorsque je sélectionne cet élément, je vais lui mettre une dernière couleur et pour le coup, je vais prendre cette couleur-ci. Donc, vous allez remarquer que lorsque je vais relancer ma vidéo, et vous allez remarquer que dans le paysage également, il y a les couleurs qui changent, la couleur du paysage qui change. Donc, en fait, vous allez faire attention lorsque vous sélectionnez le découpage ici dans le chroma key, lorsque vous mettez l'intensité, contrôlez votre intensité pour que ça n'affecte pas totalement le paysage environnant. Donc là, je crois que c'est nettement mieux. J'ai mis l'intensité à 4. Si je relance ici, vous allez remarquer que le vêtement va changer de couleur progressivement. Donc ça sera tout pour ce tutoriel et je vais vous donner rendez-vous dans un tutoriel très bientôt.